Nous sommes le 12 novembre 2019, au port du Pirée. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, marche aux côtés du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Tous deux affichent leur plus beau sourire. Autrefois en perte de vitesse, ce port dans lequel la Chine a massivement investi est devenu cette année-là le plus important de toute la Méditerranée. Cette scène est présentée comme la réussite d'un modèle, celui d'un développement à la chinoise, harmonieux, équitable et surtout profitable. Un modèle que la seconde puissance économique mondiale s'est empressée de reproduire partout en Europe. Les experts et les industries dénoncent ces deals qui favoriseraient Pékin au détriment de la souveraineté européenne. Alors, ce risque est-il réel ou exagéré? Tirer tout ça au clair et comprendre les réelles intentions de la Chine, c'est ce que nous vous proposons au travers de ce nouvel épisode de Factu. La stratégie portuaire de Pékin s'inscrit en premier lieu au service d'une vision, celle de désenclaver l'Empire du Milieu en le reliant par la mer et par le rail au reste du monde. C'est le fameux projet des nouvelles routes de la soie. C'est un projet, si vous voulez, d'infrastructure qui consistait au départ à utiliser les surcapacités chinoises pour construire des infrastructures à la fois terrestres à travers l'Asie centrale et jusqu'à travers la Russie et jusqu'en Europe, et sur le plan maritime, à partir des côtes chinoises, jusqu'à travers l'océan Indien et jusqu'en Méditerranée. C'est justement après la pandémie de Covid-19, lorsque les questions de souveraineté ont repris de l'importance, que les États et les opinions ont véritablement réalisé l'ampleur, mais aussi la méthode par laquelle ces investissements chinois ont été complétés. Du point de vue de l'industrie maritime et de la conteneurisation, il s'agit de prise de participation dans des terminaux à travers le monde. Et éventuellement dans des terminaux qui ont de l'importance, soit dans le maillage des routes, comme c'était le cas dans le Pirée, soit par rapport à des marchés majeurs, et c'est le cas de Hambourg, comme de Zeebrugge ou des ports espagnols. Cette participation, elle se retrouve dans toute l'Europe. Marseille, Nantes, Dunkerque et Le Havre en France, Anvers et Zeebrugge en Belgique, Rotterdam aux Pays-Bas, Hambourg en Allemagne, Valence et Bilbao en Espagne, Thessalonique et Pirée en Grèce. Le port du Pirée, justement, apparaît comme celui dont l'achat est le plus complet. COSCO y détient en 2022 100% des terminaux, mais surtout possède 67% des parts de l'autorité portuaire, ce qui place la compagnie comme seul maître à bord. Au total, 16 terminaux dans 13 ports différents en Europe dépendraient des entreprises d'État chinoises. Cela représenterait 10% du trafic maritime européen. On se demande alors comment on en est arrivé là. Les ports ont besoin d'argent, ont besoin d'investisseurs. Si Zeebrugge a trouvé Costco, l'autorité belge était bien contente de l'avoir. Les entreprises espagnoles qui ont vendu à Costco étaient bien contentes de trouver un investisseur. Le vrai problème, il est plutôt dans la dépendance aux produits manufacturés chinois. Mais on comprend qu'il y a une forme de fantasmagorie légitime, on peut dire aussi, parce que les ports portent une valeur, on va dire, une valeur de géographique, géopolitique. Pourquoi ils font ça? Parce que... Quand vous contrôlez un port, c'est encore un moyen supplémentaire de peser sur l'approvisionnement. C'est moi qui décide si, oui ou non, on peut débarquer les marchandises, si, oui ou non, on peut traiter tel volume ou pas. Quand on sait tous les enjeux qui sont liés justement au fait qu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement sur des produits très sensibles, des médicaments, des masques, mais aussi des produits agricoles, des iPhones, etc. Se mettre dans la main des Chinois, c'est un risque. Du jour au lendemain, ils peuvent fermer le robinet. Ils ferment le robinet chez eux pour la production, et s'ils ont nos ports stratégiques ou des aéroports, eh bien, ils peuvent fermer le robinet chez nous, et c'est ça le grand risque. En outre, il existe un deuxième intérêt économique pour Pékin. Se servir de l'appât du gain et de la course aux investissements pour diviser les Européens et les empêcher de mener un front commun. Il y a un danger qui est celui de la mise en concurrence des ports européens par les Chinois, qui finalement vont pouvoir utiliser ces présences pour mettre les Européens un peu les uns contre les autres, pour d'une certaine manière faire monter les enchères, si vous voulez. Et ça s'est d'ailleurs déjà produit dans le sud de l'Europe, autour du port du Pirée, justement en Grèce. «
L'emprise de la Chine sur les ports européens rencontre donc des résistances, mais se trouve aussi assurée par la dépendance de certaines nations aux capitaux étrangers, comme la Grèce, dont l'économie chancelante l'oblige à privatiser ses intérêts stratégiques. Cette bataille pour la souveraineté, elle est loin d'être terminée, et l'Europe devra s'accorder pour trouver des solutions, mais surtout exiger de Pékin des deals plus équitables. Il est aujourd'hui très difficile d'accéder aux ports chinois, donc aujourd'hui il n'y a pas de réciprocité, pas suffisamment. Et donc je pense qu'il faudrait mettre sur la table cette exigence de réciprocité avant d'ouvrir davantage les capitaux de nos autorités portuaires et de nos terminaux à des groupes chinois.